Salut à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de La Minute Quintée, direction l'hippodrome de Vincennes. Une nouvelle fois, hein. on est en plein meeting d'hiver avec une grosse réunion qui nous attend samedi. Il y aura 10 courses au programme. Un, donc un, une réunion qui sera très chargée. La quatrième course du programme, le prix Daniel Miette sera euh, support euh, du euh, Quintet Plus. une épreuve assez classique, hein, des chevaux d'âge en 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 400 000 euros. On a vraiment affaire à un lot de qualité avec des vrais chevaux de Quintet. Euh, voilà, ils seront 16 au départ. Le parcours classique également, 2700 mètres de la grande piste, une course euh, qui est prévue aux alentours de euh, 15h15. On a une course référence et j'avoue que je me suis appuyé dessus, euh, elle s'est disputée le 5 novembre dernier euh, sur l'hippodrome de vincennes c'était sur plus court, hein. c'était sur 2100 mètres, euh, grande piste, hein, le prix d'Arcachon dans, le, dans lequel Edic Gemma, euh, le numéro 16, terminait deuxième et il courait vraiment très très bien, battu par Erosibé, Erosibé qui est le seul quasiment des 8 premiers, enfin c'est le seul parmi les 8 premiers à ne pas être au départ de cette épreuve, et c'est vrai que Hero euh, c'est un drôle de cheval, hein, il réalise une grosse année et euh, le fait d'avoir été battu par ce cheval là, euh, c'est pas forcément... Il euh, n'y a, a pas à rougir quoi, de, de, de cette défaite. En tout cas, euh, Edith Gemma courait vraiment très très bien, il a même refait du terrain sur son rival euh, pour finir, il sera beaucoup mieux euh, sur un parcours de longue haleine, il est dans sa catégorie, il est idéalement engagé, il est défaire des quatre pieds. Pour moi, il coche toutes les cases et franchement, euh, s'il venait à s'imposer, ce serait vraiment un succès très mérité. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 13, Happy Danica. Elle a terminé quatrième hein, de la course référence. Euh, C'est vrai qu'elle a été battue par Aide Darling. J'avoue que j'ai inversé les deux parce que le parcours est différent. Alors, Aide Darling avait le numéro 8 derrière l'autostart et Happy Danica le 9. Mais je pense qu'Happy Danica, je vais y arriver, est bien meilleure sur les parcours de tenue. Elle est une nouvelle fois plaquée des quatre pieds. Elle a prouvé qu'elle a été compétitive euh, de, manière, de cette manière. Donc voilà, elle est régulière. Elle fait toutes ses courses. Elle est meilleure en courant caché. C'est le seul. Petit bémol, mais bon, ils sont beaucoup à être un petit peu dans, cette, dans ce cas-là. Donc voilà, son entourage va attendre, enfin, son partenaire va attendre d'avoir le wagon de, de la troisième épaisseur qui se forme pour euh, sauter dedans. Et derrière, je pense que sa pointe de vitesse finale peut faire la différence et je lui vois vraiment une très belle chance théorique. Ensuite, en troisième position, euh, comme je l'ai dit, le numéro 12 est des Darling, qui est peut-être un petit peu plus maniable hein, que Happy Danica, euh, le pensionnaire de Nicolas Bazir, qui reste sur une troisième place devant sa rivale, hein, justement. Cette fois-ci, il est une nouvelle fois déferlé des, des quatre pieds. Peut-être euh, qu'il euh, faut le préserver un petit peu plus sur 2700 m, même s'il si a prouvé qu'il avait de la tenue à plusieurs reprises. Il compte notamment euh, cet été une deuxième place derrière Gold derpé hein, sur 2008, grande piste. Euh, et des Gold derpé qu'il retrouve dans cette compétition. Il battait d'ailleurs à Pitanica ou encore d'autres concurrents qu'il retrouve. Toujours est-il que l'engagement est bon. Il est une nouvelle fois défaire des, des quatre pieds. Il est lui aussi en plein de sa catégorie. Donc voilà, il n'y a pas de raison à ce qu'il ne confirme pas euh, sa récente euh, performance. Et pour moi, c'est également une des priorités de cette course. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position... Euh, pardon. Lasse Hamilton duham, un cheval qui est on ne peut plus régulier, qui a vraiment couru dans de très bonnes catégories. Hein. Euh, en dernier lieu, euh, cinquième derrière les 6 ans hein, Hibiscusman, Inato Piergi, Isofou gold Goldstar qui vient de, de terminer euh, deuxième de l'étape du GNT du côté de Toulouse. Donc vraiment euh, un lot qui tenait la route auparavant. Euh, très très bonne performance également. Troisième derrière Jasmine de Bayeul, I Can Dream en battant Inato Piergi et Indigo de Fontaine. C'est vrai qu'Indigo de Fontaine faisait une petite réapparition, mais la ligne est encore une fois excellente, c'était un groupe 3, donc clairement c'est le moins riche, mais c'est loin, loin d'être le moins doué. Donc attention, c'est un cheval qui est en forme, qui fait toutes ses courses, qui apprécie tous les parcours et qui sait tout faire. Donc il coche à peu près lui aussi toutes les cases, il faut faire des choix. Ce sera juste mon quatrième cheval, mais il peut vraiment servir de base au départ de ce quintet. Ensuite, il retenu en cinquième position le numéro 15, Gold de Derpé, qui a repris de la fraîcheur. Hein. On ne l'a pas revu depuis euh, sa victoire. Euh, non, ce n'est pas, pas vrai la victoire. C'était fin, euh, fin août, depuis euh, fin septembre, et une quatrième place dans une épreuve du même Akabi. Quatrième hein. euh, derrière Apidanuka et Dick Gemma. Deux chevaux que j'ai retenus en tête, la ligne est bonne, il est dans sa catégorie, euh, il a vraiment euh, pas mal d'atouts dans son jeu, d'autant qu'il joue la carte fraîcheur, hein. le fait de ne pas avoir recouru depuis quasiment deux mois, ça va jouer en sa faveur, il a certainement été préparé en conséquence, associé à Mathieu Abrivard, qui est en grande forme actuellement, je pense qu'on a en droit euh, d'en attendre une grande performance, même si c'est vrai qu'il est un petit peu moins régulier que euh, par le passé. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le euh, numéro 2. Euh, euh, il s'agit de Harmonista. C'est vrai que Franck Nivard aurait pu euh, driver Gold Derpel. Le fait qu'il préfère mettre une de ses pensionnaires à Harmonista, euh, c'est quand même un signe de confiance. Il ne faut vraiment pas la condamner euh, sur sa récente tentative où elle s'est montrée euh, fautive. C'est une jument qui a fait ses preuves à ce niveau-là, qui a de la qualité, qui sait tout faire, qui euh, a beaucoup de dureté. Donc le parcours est vraiment fait pour lui convenir. Donc voilà, euh, défaire des quatre pieds, je pense qu'on a le droit en droit d'en attendre une réhabilitation. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 6, Alicia Bella, qui est en grande forme hein, pour son retour euh, sur la Cendrée parisienne. Elle a connu un passage à vide, hein, en fin de saison dernière, en début d'année, ce n'était pas transcendant. Et puis depuis la fin du printemps, début d'été, elle est bien plus tranchante. Elle l'a prouvé euh, lors de ses dernières sorties. Elle vient de renouer avec la victoire euh, du côté de Marseille Borelli. Enfin, elle vient de renouer, c'était courant octobre. Elle a elle aussi repris un petit peu de fraîcheur depuis cette tentative. Donc attention, c'est vrai que voilà. On change le cadre, elle revient à Vincennes, mais la forme étant là, euh, je pense que ça peut euh, poursuivre sur sa lancée et lui permettre de prendre une place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 5 Ghostbusters. c'est vraiment la note. Hein, la dernière fois, euh, dans la course référence disputée euh, le 5 novembre derrière Eddy Gemma, Pidanika euh, ou encore Eddy Darling, il a vraiment fini dans une superbe action, il était loin et c'est vrai que sa ligne droite est impressionnante. Maintenant, euh, le parcours change. Euh, voilà, il faudra, faudra faire un petit peu plus... Il euh, avoir un petit, un petit peu plus de chance durant le parcours parce qu'il pourra peut-être pas faire le fort face à de tels adversaires. Mais en tout cas, euh, voilà vu ce qu'il vient de montrer, on est obligé de s'en méfier et de lui accorder un certain crédit. Et enfin, en cas de non partant j'ai retenu le 14 Guide-moi Grand Il y avait beaucoup de concurrence. C'est vraiment une course qui est assez ouverte, euh, mis à part cette course référence parce que... Euh, ils ont tous des références à faire valoir. maintenant la forme est parfois un peu incertaine. Guide-moi Forgan vient de remontrer le bout du nez euh, du côté de Vincennes en terminant 5 dès sa deuxième sortie après une longue absence. Il est déféré des quatre pieds l'engagement est plus que favorable. Donc voilà, le vrai Guide-moi Forgan a le droit de viser une place, voire même une place sur le podium. Maintenant voilà, il y a des petites incertitudes et euh, c'est vrai que vu euh, l'homogénéité du lot, on est en droit euh, d'en avoir des regrets et lui en fait partie. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 16 euh, que j'ai retenu devant le 13, le 12, l'AS, le 15, le 2, le 6 et le 5 et en cas de non-partant le numéro 14. Euh, en conseil de jeu, bah écoutez, la course référence, pour moi, elle tient la route. Hein. Euh, 16, eddy Gemma, qui sera mieux sur ce parcours. 13, Apidanika, pareil. Et puis le 12, eddy euh, Darling, qui fait toutes ses courses et qui est redoutable faire des 4 pieds. Je pense vraiment que ces trois là euh, ont beaucoup d'atouts. Et même là, c'est un Hamilton-Duham que j'ai retenu 4 Il faisait pas partie de la course référence, euh, il... mais il a des références à faire valoir. C'est vrai que les dernières fois, les lots étaient vraiment bien composés avec les 6 ans qui ne sont pas de la partie. Donc... Attention, je pense que cet as peut également faire partie des, euh, des belles bases de ce donc voilà pour cette analyse. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la venue de Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. On se retrouvera demain. Dimanche, ce sera du côté d'Auteuil. On aura aussi notre concours hebdomadaire où il faudra trouver le vainqueur du Quintet de dimanche pour avoir droit à un mois d'abonnement gratuit au Prono VIP sur le site tur-fr.com. On en reparlera d'ici là dès demain. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye. Bye